this power. My heart is beating to the rhythm of a love song. I've never felt this before. J'espère que vous allez bien. Bon, nous, on est en forme depuis ce matin. On est levé depuis 6h30. On a fait du grand ménage dans la maison. On a plié même du linge. On a lavé, séché du linge. Nettoyer toute la salle de bain, les toilettes, la cuisine, enfin bref, voilà, on est en forme. Là maintenant on se prépare, j'attends juste Kéliane. On va aller chercher des petits bonbons et de quoi faire pour préparer Halloween. Voilà, donc on y va, on est en forme. Il arrête pas de pleuvoir depuis ce matin, c'est hallucinant. Et là, la seule éclaircie qu'il y a, on en profite pour sortir. Oui. Même si on sait qu'on va pas forcément se mouiller parce qu'on prend la voiture. Mais bon, quand même, c'est quand même plus agréable. Non. Donc on va y aller. Et on va décorer, après on va manger, après on va passer à l'atelier pâtisserie. On va faire des trucs sympas. On a vu des trucs, des petits tutos, on a regardé sur YouTube. Bah, c'est surtout pour qu'ils passent un petit moment tous les deux. On va mettre ça sur l'îlot central et tout le monde va participer. Mais il faut que ce soit bon, hein. Moi je veux que ce soit bon, moi. Même maman. Alors maman va faire du montage. Moi, je vais vraiment pas avoir le temps de participer beaucoup. Il faut absolument que je fasse du montage. J'ai de quoi faire cet après-midi. D'ailleurs. Bon, on vient juste de rentrer. Ça y est. Là, je vais faire à manger pour les enfants. Je vais faire rapidement. Il est déjà 1h30. Je vais faire des pâtes avec des saucisses, mais vraiment rapide. Ça va être très très bien pour ce midi. Ils adorent ça en plus. Et puis ensuite, ils vont attaquer la déco, je pense, avec Sébastien. Et ils feront des. Ils prépareront quelques petites gourmandises pour ce soir, histoire de marquer un petit peu le coup pour Halloween. Voilà. Hop, les enfants voulaient absolument que je me déguise, que j'achète soit un masque ou un serre-tête et tout. J'ai dit non, non, non. Et même Sébastien, il n'a pas voulu se succomber à leur charme, allez papa, fais-le et tout, non. Oh, regardez tout ce qu'on a acheté. Donc on a acheté des Haribo, des petits bonbons nounours. Sébastien a pris des Oreos, on sait, c'est hyper, hyper, hyper sucré. Mais voilà, ça reste exceptionnel, c'est pour faire une recette, hein. Je sais pas trop ce qu'il veut faire. Des petites bananes, des bonbons créma, des Kit Kat. Et puis ça c'est de la coloration couleur verte, voilà. Et puis on a pris du chocolat. Du chocolat blanc et du chocolat noir. Chocolat blanc, chocolat au lait et chocolat noir. Voilà. Tout ça c'est bon pour. T'aimes pas le chocolat noir? Moi j'aime bien le chocolat blanc et chocolat au lait. Ah bah ouais. Mais là c'est pour. Ça va être bon, c'est pour faire une recette. Nous sommes prêts, il est un petit peu plus de 18h et on va aller dehors chercher des bonbons. Ha ha ha. Comment on fait? On fait peur? Comment on fait pour faire peur, Warren? Warren? Ah oui, il y a des bonbons? Oui, vous. Ah, vous êtes prêts? Je sais pas si je vous ai montré notre déco.
voici notre déco Halloween. C'est pas mal, hein? Franchement. Et si on éteignait les lumières pour voir ce que ça fait? Papa, il va éteindre les lumières. Il y a la citrouille aussi, on peut l'allumer là-bas. Ah ouais? Tu allumes là? Attends, ça va se faire. Tu sais le faire? Regardez! Waouh! Regardez! Waouh! On peut faire la fête! Bon, allez, c'est parti! À la chasse aux bonbons! Peut-être à la chasse aux humains? Non, je crois pas, non. On va frapper là-bas. Ah ouais. Alors on va aller à la première maison. Allez. Ouais, c'est pas mal. Hein. Alors nous, on est rentré à la maison. Là, on est en train de leur faire à manger. On est parti à la quête aux bonbons avec les enfants. Et franchement, on a été super déçus avec Sébastien. On a fait, honnêtement, on a fait combien de maisons? 6 maisons. Et 6 maisons, soit ils n'ont pas répondu, soit une maison a quand même eu la politesse d'ouvrir la porte et de dire j'ai pas de bonbons. Voilà. Donc les boules pour les enfants. Et du coup, on a tenté le tout pour le tout. On est allé à la supérette. Voilà, ouais. De notre petite ville. Et puis voilà, on s'est dit, bah là, au moins, on peut pas nous dire qu'on n'a pas de bonbons. Et puis comme on les connaît, donc c'était cool. Elle a été super sympa. Là, Sébastien est en train de nous faire des petites galettes de sarrasin. Oui. Et du coup, voilà, on va manger ça avec les enfants ce soir. Oh ben, ça va être tout simple. Hein. Vous voyez, des galettes, du gruyère, du jambon. Là, ben, justement, j'ai pris du jambon chez le tranché, chez le charcutier, chez le boucher, voilà, parce qu'ils ont une boucherie. Oui. Donc, j'ai pris parce que je le préfère et j'ai demandé un peu plus, vous voyez, un peu plus épais. Comme ça, ça fait un peu plus garni. C'est parfait. Voilà. Bon, allez, nous passons à table. Donc, un peu de guacamole, des chips et des crêpes repas ce soir pour tout le monde. Quelle couleur? Voilà, bon, mais la crêpe, elle est là. Moi, j'ai choisi une crêpe avec du chèvre dedans. Donc, voilà. Alors, on vous a pas montré, mais on avait fait quelques petites gourmandises avec les enfants. Bien entendu, ils sont pas tous homogènes, ils sont pas tous réussis, mais bon, ils se sont amusés, c'est le principal. Donc voilà, nous on est contents. Petit bonhomme. Exactement, fais voir. Bah alors, il est pas si mal ce monsieur. Ouais. Bon, il est presque minuit, il est temps pour moi d'aller me coucher. J'ai travaillé toute la soirée, jusqu'à maintenant. J'ai fait que ça, et c'est bien. J'ai aussi noté plein de choses. Je sens que l'année 2020 va être pleine de surprises. Je sais pas pourquoi. Je suis contente. Franchement, je suis contente. Je vous le dis pas assez souvent et j'en profite pour vous le dire maintenant. C'est que j'ai un compte Instagram. Je sais qu'il y en a plein qui me suivent sur YouTube, qui ne suivent pas sur Insta. Mais n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram. Je vais vous mettre mon compte juste là. Et il est aussi sous chaque vidéo dans la description. Vous avez un lien. Cliquez dessus, vous tombez directement sur mon compte Instagram. Je vais de toute façon et je suis de plus en plus présente sur Instagram. C'est un réseau social qui est franchement top. Voilà, et je trouve même qu'il est beaucoup plus simplifié que YouTube. Je pense que je vais vous laisser là parce que je perds ma voix petit à petit. Demain, c'est le 1er novembre, donc pour l'instant, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. On verra bien. On va déjà commencer par préparer tout ce qu'il faut parce que lundi, c'est la rentrée des classes. Dernière ligne droite jusqu'aux vacances de Noël. Hey, on se retrouve le lendemain. Je suis désolée, je n'ai pas pu terminer de clôturer ce vlog. Hier soir, je n'avais franchement plus de voix.
Donc je me permets de le clôturer ce matin. Je vais donc faire bref. J'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez pas à le commenter, le liker et vous abonner. Et moi je vous dis à demain pour un prochain vlog. Ciao. My heart is